Bonjour YouTube, j'ai récemment sorti une vidéo sur une arme totalement débile, c'est une des plus broken que j'ai vu tout FromSoft confondu, et je me suis rendu compte dans les commentaires que vous étiez beaucoup à ne pas savoir comment fonctionne l'ésotérisme. Un peu normal, parce que le jeu dit rien à son sujet, donc on va voir ce à quoi ça sert, notamment son impact sur le saignement, vu que là, c'est de ça qu'il était question. Et si vous n'y avez pas accès parce que vous n'avez pas le DLC, et bah il est dans la description, à moins 10% grâce à mon partenaire GamePlanet, et pareil pour le jeu lui-même. Donc évidemment, ça booste des dégâts, des trucs, mais aussi quelques à côté qu'on va faire tout de suite, comme ça, ça sera réglé, parce que je suppose que vous êtes là pour casser des trucs et que les passifs vous en tapez un peu, mais comme ça au moins c'est fait. Donc je vais lire le wiki en même temps, là je vais faire la trad en même temps à la volée, donc excusez-moi si je regarde un peu l'écran. Et je vous prie de m'excuser si je dis arcane, c'est parce que en anglais c'est arcane, donc je risque de mixer un peu ésotérisme arcane. Donc l'arcane, ça booste la stat de découverte. Effectivement, un personnage commence à 100 de découverte, et chaque point en arcane lui permettra d'avoir plus de découvertes et donc d'avoir plus de chances de looter des objets. Ça marche pour tous les objets qui sont des loots aléatoires. Quelle est la formule exacte? Je vous la mets à l'écran, si elle fait du sens pour vous, tant mieux, moi je suis une bille en maths et j'ai pas envie de me prendre la tête, surtout que je m'en fous. Mais donc, voilà, vous l'avez. Ça augmente aussi vos défenses contre les dégâts sacrés. Effectivement, on voit que c'est plus 2 de défense du niveau 1 à 20 en ésotérisme, plus 0,66 du niveau 25 à 35, plus 0,4 du niveau 36 à 60, et plus 0,25 du niveau 61 à 99. Donc oui, en tout, vous gagnez, j'ai la flemme de compter, entre 60 et 70, on va dire, de défense. Ça vaut pas le coup d'investir dedans en vous disant « je vais m'en servir pour me protéger des dégâts sacrés ». Le boss de fin, par exemple, du DLC, il fait du dégâts sacrés, il va vous tout shot tout pareil, hein, que vous ayez 10 ou 80. Surtout quand on peut changer un talisman ou une pièce d'armure ou manger un foie machin de résistance sacrée qui vont nous filer 20, 30, 40 de résistance et qui sont cumulables, autant faire ça plutôt que de mettre des points dans une stat, hein, sincèrement. Ça augmente aussi la vitalité qui est la résistance à la mort instantanée. Oui, vous savez la barre noire qui se remplit comme par exemple les basilisques, les espèces de trucs qui ressemblent à des grenouilles qui crachent une brume noire là. Tant que vous êtes dedans, ça charge une barre et quand elle est pleine, bah il y a une branche qui sort du sol, elle rentre par le 1 et elle vous empale. Bon, bah, plus vous avez d'ésotérisme, plus vous résisterez à ça. Encore une fois, changer une pièce d'armure, changer un talisman, ça vaut beaucoup mieux. Ensuite, le scaling d'arcane peut être ajouté grâce au saignement, au poison ou à l'occulte. Oui, ça c'est les affinités qu'il y a notamment avec les centres de guerre qu'on peut changer au site de grâce. Et j'ai fait une vidéo sur les scaling que je vais vous mettre en description. Alors, pour les trucs un peu plus spécifiques et qui vont commencer à nous intéresser, l'ésotérisme, affecte le statut des flèches grâce aux arcs qui scalent sur l'ésotérisme. Pour l'instant, il y a un seul arc qui dépend de l'ésotérisme, c'est l'arc serpentin. Si vous avez l'arc serpentin et que vous utilisez des flèches de saignement, de poison, de ce que vous voulez, vous mettrez votre bonus d'arcane là-dedans, parce que plus vous avez d'arcane, plus vous infligez de dégâts de poison, de saignement, etc. Ça ne veut pas dire que vos saignements ou vos poisons feront plus mal, ça veut dire que la barre se chargera plus vite. Pour les armes classiques qui ont un scaling en arcane, poison, le saignement, le sommeil et la folie dépendent de l'ésotérisme. Plus vous avez d'ésotérisme, plus vous infligez d'altération d'état. Ça marche pour tout, à part la congélation. Donc en admettant que vous ayez un arc qui scale dextérité et vous tirez une flèche de poison, si la flèche de poison en inflige 50 de poison, que vous ayez 10 ou 80 d'arcane, vous infligerez 50 de poison. C'est tout. Par contre, si vous avez l'arc serpentin qui scale sur l'arcane, sur l'ésotérisme, pardon, et que vous tirez votre flèche de poison à 50, elle infligera peut-être 70, 80, 90, ça dépend de combien vous avez d'ésotérisme. Et ensuite, pour toutes les armes de corps à corps, qui ont, ou même à distance du coup, mais il n'y en a pas, qui ont un scaling sur l'ésotérisme, et qui infligent du saignement, du poison, du sommeil ou de la folie, plus vous aurez d'ésotérisme, plus vous en infligerez à chaque frappe. Hop hop hop, c'est vous du montage ici pour quelques précisions. Vous voyez que mon grand couteau, il a beau être à plus 11, j'ai beau avoir 80 d'ésotérisme, il inflige toujours 38 de saignement, qui est pareil que s'il était à plus 0, hein, et que j'avais 10 d'ésotérisme. Et, si je l'augmente, de plus 11 à plus 13, plus 14, plus 15, ce que vous voulez, il inflige toujours 38 de saignement. Parce qu'il y a un problème, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit d'augmenter l'arme. Non. Tant que votre arme ne scale pas sur l'ésotérisme, ça sert à rien. Vous voyez que là, par contre, si je lui mets oui, la même cendre, on s'en fout, mais que je la fais passer en saignement, je passe à 99. Parce qu'il passe de rien du tout en ésotérisme, il était là, vous voyez qu'en ésotérisme, il a que dalle, A, là, un B en occulte, donc il gagne 82, et enseignement, bon, un D d'accord, mais il est à 99. Mettre des points dans la stat ou augmenter l'arme, ça ne sert strictement à rien si elle n'est ni en occulte, ni en poison, ni enseignement. Alors, le statut de poison est un peu spécial avec l'arc serpentin. Si on a de l'arcane, la courbe à laquelle ça inflige est un peu spéciale, c'est-à-dire que de 0 à 15, vous allez vraiment gagner beaucoup de dégâts de poison infligés, grâce à cet arc, et là, c'est uniquement pour cet arc. De 15 à 30, vous en gagnerez moins, mais ça sera toujours important. De 30 à 50, vous en gagnerez encore moins, mais ça vaut encore le coup.
dépasser les 50, ça sert à rien. Vous infligerez vraiment très très peu de dégâts de poison différents, de 50 à 90 par exemple. Vous gagnerez, je sais pas, 5 points de poison en plus, on s'en fout. Si votre flèche en inflige 70, qu'elle passe à 70 ou 75, ça va rien changer. Hein. Et pour les flèches de saignement ou de sommeil, toujours avec l'arc serpentin, là par contre, c'est 25, 45, 60. Et normalement, c'est 60. On va le voir, mais sur les armes, normalement, c'est 60 pour ce qui est les altérations d'état. On y revient dans 2 minutes. Pour ce qui est le scaling sur le bâton albinorique, ou les incantations pour le sceau de la communion draconique, là, c'est 15, 35, 45. Effectivement, il y a notamment les builds d'incantation draconique qui est extrêmement fort, qui tire parti de ce sceau, le sceau d'incantation draconique. Mieux vaut s'arrêter à 45 d'arcane, et après mettre en foi plutôt que de continuer de booster l'arcane, parce que le gain qu'on gagne est vraiment négligeable. Donc pareil pour le bâton albinorique, j'avoue, j'ai pas encore vraiment testé ces builds. Ensuite, on a les caps, ce qu'on appelle les soft caps et les hard caps. Les soft caps, ils vous ralentissent, mais doucement. Vous voyez, c'est soft. Les hard caps, ils vous ralentissent très fort. Ils vous attrapent par le callback et vous disent « Arrête de mettre des points là-dedans !» Ça sert à rien. Chiffre pif, mais vous avez une arme qui scale la S en ésotérisme, elle est formidable, ok, c'est très bien. On va dire que chaque point que vous dépensez, entre 1 et 20 d'ésotérisme, vous fera gagner 5 points de dégâts. Chaque point que vous dépensez entre 20 et 60, vous fera gagner entre 4 et 3 points de dégâts. Chaque point que vous dépensez entre 60 et 80, vous fera gagner entre 3 et 2 points de dégâts. Après 80, ça sert plus à rien. En général, vous allez gagner 1 à 2 points de dégâts tous les 2 niveaux. Donc on va dire que vous prenez 4 niveaux en ésotérisme, vous passez de 80 à 84, vous gagnez 3 points de dégâts. Donc passer de 80 à 99 d'ésotérisme, ça va peut-être vous filer 10-12 points de dégâts. On s'en tape, hein, 10-12 points de dégâts, on s'en tape. Si votre arme tape à 700, à 700 ou 712, ça changera rien. Mieux vaut mettre ces 15-20 points, peu importe combien vous les dépensez, en vitalité, en endurance, en esprit, ça sera beaucoup plus utile. Comme pour tout, les armes qui scalent donc sur l'ésotérisme, si elles font des dégâts physiques, ces dégâts physiques seront boostés donc de beaucoup de 0 à 18, moins de 18 à 60, mais encore une fois, ça vaut largement le coup de mettre des points dedans, et encore un peu moins de 60 à 80. Vous pouvez vous arrêter à 80. Vous devez vous arrêter à 80. Ça sert à rien d'aller plus haut, sincèrement. Par contre, si elles font des dégâts magiques de feu, de foudre ou sacré, c'est 20, 50, 80. Par contre, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là que ça prend la tête à beaucoup de gens, augmenter les dégâts des statues, donc poison, saignement, folie et sommeil, augmente aussi pour chaque point d'ésotérisme, et ça augmente 25, 45, 60. Donc, si vous utilisez votre arme pour faire du saignement, ça sert à rien de dépasser les 60. Mieux vaut les mettre en dex et faire 80 points de dégâts en plus à chaque fois que vous tapez, par exemple. Chiffre au pif, hein, mais c'est beaucoup plus intéressant. Et pour les sorts, le catalyseur, donc le bâton, le sceau que vous utilisez, doit évidemment scale sur l'ésotérisme, sinon ça sert à rien. C'est comme l'arc serpentin, c'est la même chose. Et dernièrement, sur les pots, donc les pots que vous lancez pour mettre du poison et ces conneries-là, le scaling d'ésotérisme est un peu spécial. Là, c'est 15, 30, 50. Oui, bon, alors si vous faites un build d'ésotérisme pot, où vous utilisez seulement les pots pour infliger les statues, bon, vous cherchez la merde quand même, hein, donc là vous savez ce que vous faites normalement. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous infligez des statues avec vos flèches bonus uniquement si votre arc scale sur l'ésotérisme, donc l'arc serpentin. Si vous utilisez une arme de corps à corps pour mettre du saignement, vous pouvez vous arrêter à 60 de saignement, au-dessus ça sert à rien. Si vous utilisez saignement, poison, ce que vous voulez, hein, à part la congélation, la mort instantanée donc. Et si vous utilisez une arme de corps à corps pour faire mal grâce à l'occulte, ou une arme à distance d'ailleurs, hein, là il faudra aller jusqu'à 80. Et donc pour les affinités, comment ça marche exactement? Bon, bah, sur un perso qui a 80 des os et une arme à plus 25, on s'en fout mais comme ça vous voyez le top du top entre guillemets. Si on met cette altération en lourde, on voit qu'évidemment on a un dé en ésotérisme et on a rien en effet passif, pareil à serré, qualité, sacré, ce que vous voulez, et poison, enfin on obtient un B en ésotérisme. C'est pas incroyable, ça va faire moins de dégâts qu'en occulte, mais ça met 256 de poison. Si je le mets en 100, toujours un B, mais là ça met les 223 de saignement. En occulte, ça ne met pas de bonus du genre saignement, poison, etc., mais ça gagne un S. Donc oui, si vous mettez, vous avez le choix entre poison, saignement ou occulte pour tirer parti de l'ésotérisme. Si vous mettez en occulte, c'est pour faire du dégât, c'est pas pour l'altération d'état. Par contre, 100 ou poison, ça fera moins de dégâts, bon, ça en fera quand même, mais ça fera surtout beaucoup de saignement, de poison. Et de sommeil et de folie. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. S'il y a des trucs qui sont pas clairs, demandez-moi en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à plus tard. Ciao.